Bon. Man, I can't believe we're actually doing this. Mec. Seriously though, be careful, okay? Shit is the fan, you gotta get the hell out of there, alright? Ok, donc en Check gros, the place out and then dip. le gars nous dit, je reviens pas de ce qu'on est en train de faire. Dépêche-toi de faire ça et on rentre. On est sur une espèce d'île, on a une petite barque. Ok, private property. No trespassing. Protected by 24 heures. Vidéo électronique surveillance. To report any suspicious activity, call security at 718 XT0. Ah, donc en fait on est peut-être un espèce de voleur, c'est ça? On arrive sur une propriété privée, on doit peut-être essayer de voler un truc. Et du coup on arrive en pleine nuit avec une barque histoire de pas se faire griller, c'est ça? Locked. Merde. Fermé. Oh shit, is that it? It's an old school lock. Let's come back and grab the zigzag looking pick and wiggle it around in the lock, okay? Should open it up. Ah, il faut que je retourne à mon bateau chercher des outils pour ouvrir la porte. Ok. Ça me paraît plutôt cool. Ouais, j'avoue, on aurait pu le prendre avant. Hein. La caisse à outils. On est un peu con. On est un peu des voleurs du dimanche. Hein. Stop walking so loud. I can hear you from here. Arrête de marcher si fort, je t'entends d'ici. Ça va, je cours pas, gros. Tranquille, hein. Alors, la boîte à outils, elle est là. Ok, on a les outils. On y retourne. Salut, Aria Fox. Bon, qu'est-ce qui nous attend dans cette maison, là? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir cette porte? Ouais. Ok, ça a l'air de fonctionner. Fermé. Un peu creepy dans le coin. Hein. Légèrement creepy, les gars. Ah putain, les oreilles, les gars! Do you see something over there? Quoi? Là? Y'a que dalle. Y'a rien dehors là. Il me fait peur lui. Espèce de con. Note can be viewed in your inventory. J'ai de plus en plus de mal en anglais, je sais pas pourquoi. C'est pas ma période anglais là. Alors, ils ont ravagé. Oh wait, why is the boat moving? Are you leaving already? Hein? Le bateau part? Quoi? C'est quoi ces conneries? Oh, il y a un code. Ok, on a un code ici. Par contre, les crows, notre pote vient de nous dire le bateau est en train de partir. What the fuck? Oh merde. On va aller checker le bateau. Je vais peut-être même courir. Putain, attends, si on nous a volé la barque, on est foutu là. On est bloqué. Qu'est-ce que ces conneries? Salut Bibouche. Ça va et toi? Ah putain! Hein? Y'a un mec qui est en train de se barrer avec? Mais non, c'est une blague. Et si, regarde. Enfoiré! Et il nous a laissé une note. I am so sorry. Je suis tellement désolé. Flamiab, tu peux, c'est vrai, tu peux être ma traductrice personnelle. Bah écoute, Flamiab, avec plaisir. Bon, bah c'est la merde. Culé. Ok, bon, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Salut, Sombre Pine.
Je suis seul sur une île flippante. Non, mais c'est totalement ça, Amanti, t'as tout dit. Chacun pour soi, là, c'est Battle Royale. J'ai pas d'armes. J'ai qu'une lampe torche. Le jeu a l'air cool, hein. Je connais pas, hein. Je connais pas du tout, mais il a l'air bien. Ah, hein. Oh, putain, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte ici. Ok, let's go. Bonne arme, la lampe torche, en vrai. Ça peut faire office d'arme, ouais. Chut, écoute. J'entends un pleur, non? Avec les battements de cœur, t'entends ? On dirait un rire. Ah ! La conne ! La conne ! Ah, c'est un manoir. Une famille riche. Oh putain, ça m'a fait peur, l'autre qui nous tombe dessus. Mais qu'est-ce qu'elle foutait dans les arbres? Ah, du trafic d'humains, de l'esclavage, de la torture. Ouais, on adore, hein. C'est tout ce qu'on aime, hein. Ok. Non mais on a tous sursauté là. C'est violent. Quelqu'un qui joue avec un vinyle. Bon, traductrice. J'espère que vous avez bien lu là. Moi, j'ai rien lu. Hein. Mais peut-être qu'il y a une connexion. Voilà. Ok. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de lire le texte si quelqu'un a lu. En mode petit résumé, ce serait cool. On se réveille dans une maison. La lampe, la torche. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, ça part sur une fouille. J'ai récupéré une roue. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. Sauf qu'il y a une horloge bizarre montée à l'envers, là. Mais qui a mis un tonneau chez lui? C'est quoi ce délire là? Ah, une deuxième roue. Ok, faut trouver des roues peut-être, j'en sais rien. Fermé, ok. Ouvert. Troisième roue. Une note. Alors du coup, le résumé. Il y a plusieurs années, des riches avaient pris possession de l'île et y faisaient des choses horribles, trafic d'humains, torture, vente d'armes illégales et plein d'autres choses inimaginables. Ils ont été pris sur le fait et l'île a été désertée, mais une quelqu'un ou une force a continué à agir. Depuis maintenant un an, il y a des choses étranges qui ont commencé à se passer comme des disparitions. Peut-être que c'est un rapport avec ce qui s'est passé avant. Putain, flamme yao.
Alors là, et ça c'est de la trad. Hein. Ça c'est de la trad. Ça j'aime bien ça. Nickel. Au moins j'en sais un peu plus. On part sur une île maudite. Hein. Alors on va lire la note. Elle est où? C'est celle-là. Ah ok, on part demain après avoir brûlé cet endroit. Ok. Bah du coup, ça n'a pas été brûlé du tout. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette île pue. C'est ça. Oh non. Oh non, il y a encore un pleur. Oh non, 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 elle va me retomber dessus. Eh, moi, je regarde en haut maintenant. Eh, je vais pas me faire avoir deux fois les crozes, hein. Eh, je regarde au-dessus, hein. Là là. Oh, quatrième. Putain, mais attends, il faut en choper combien? On en a quatre. Je sais pas à quoi ça va me servir, du tout. Ah bah, d'accord. Bah voilà, on a la réponse. Ok. Alors attends, ça va s'ouvrir? Oui. Une clé? Ah putain, c'est quoi ça? Enculé, va. Enculé. Une petite clé. Putain. Ah, ça m'a fait peur. Ok, le jeu fait peur. Ok, le jeu fait peur. Attendez, c'est quoi ce jeu là? Y a un bruit. Bon, on va monter, hein. Fermé. Ça, c'était de belles jambes sveltes, blanches et épilées. Ah non. Mon cœur, j'ai mal. Ah, c'était peut-être la clé d'ici, non? Non. Elle sert à quoi, cette clé? On n'a pas d'infos, là? Perhaps used on a padlock? Ok, bon, faut juste qu'on trouve la porte du coup. Ah, la tête! Oh putain! Eh, calmez-vous, hein! Je crois que c'était là du coup. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi? A pair of door handle. Ah, une paire de. Ok, de. Poignées. Ok. Une paire de poignées. Alors, est-ce que c'est là? Je vous avoue que je suis pas très. Je suis pas très serein là. Hein. On a fait en haut, je sais plus. Ah, mais non, c'est là. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Ok. Ok, c'était en haut. Nice, il y a du sang à terre. L'ambiance est pesante. Putain, tout est fermé. La maison est immense. Ok. Un coffre. Ok. Un code à quatre chiffres. Losange, rond, carré, triangle. Ok. Donc si on voit des formes, il faut me le dire. Hein. Une maison design transformée en donjon. Pourquoi il y a des cages? Mais je viens de capter en fait, il y a des cages dans la maison. C'est quoi ce délire? Un téléphone, je peux pas le prendre. Il y a des cages.
Salut Shai. J'utilise, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, c'est plus la marque. C'est un récepteur Bluetooth de capteur de battement. Sur Amazon, t'en as plein. Je sais plus la marque. Je sais plus. Je l'ai plus en tête. J'ai tellement plus l'habitude des jeux d'horreur, je sursaute tout le temps. Bah moi aussi, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux d'horreur en vrai. Au fait, tout à l'heure, avant que tu arrives vers le bateau, le gars qui te parlait a dit que la connexion était en train d'être coupée. C'est pourquoi il ne parle plus maintenant. Ouais, je sais, ouais. J'ai capté, j'ai capté. L'ordre de la sculpture en bas. On va aller voir Amanti. Rappelle-toi, ils ont parlé de trafic d'humains et d'esclavage, donc logique, faut les garder. Ah bah oui, ouais, c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est le trafic d'humains, les caves, du coup. Ouais. Ok. Bon, du coup, on va essayer d'aller checker en bas. C'est un peu creepy, hein, le trafic d'humains et tout, là. On a pas trop l'habitude. Ah, putain, ta mère! Je reste là. Non, hey, j'ai plus l'habitude. Oh, j'ai plus l'habitude, les gars. J'ai plus l'habitude. Ah, elle m'a fait peur. Ah, elle m'a fait trop peur. Ah, elle m'a fait trop peur. Oh, c'est trop. C'est trop pour un seul homme. Quelle petite conne. Ah putain, elle a fermé en plus. Bon. J'avoue, eh, c'est flippant. Je m'attendais à un jeu tout con. Je me retrouve avec un jeu. Oh non, ça s'est rouvert. On y va? Allez, on y va. On y va, mais on fait pas les malins. On y va, mais on fait pas les malins. Elle est où? D'un côté, je me dis, on l'a vu deux fois dans le jeu, deux fois qu'elle m'a fait sursauter. Hein. Elle est très forte. Elle est très très forte. Je crois que vous aussi, vous avez bien sursauté. Hein. Oula. Allez. Oh, il y a des pieds. Y a des... Putain, elle est derrière le rideau. Elle est derrière le rideau, elle est derrière le rideau, elle est derrière le rideau. Je prends la clé, c'est quoi? Oh, c'est la clé du 1. Mais si je la prends. Oh là là, attends. On a la clé. Mais si je prends la clé, elle va me sauter dessus. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Tu veux mon avis? On l'a dérangée pendant qu'elle faisait quelque chose de pas très catholique. Ah, on a la traduction de Flamia. Nous sommes désolés d'écourter votre séjour, mais une domestique est devenue folle et a blessé d'autres personnes. C'est pourquoi nous vous invitons à retourner au bateau et à retourner chez vous. Au plaisir de vous revoir ici. Ah bah, à tous les coups, c'est elle la domestique. Et c'est elle la domestique, elle est possédée. Elle est restée ici, elle est restée dans le manoir. Bon, allez, je prends les clés. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. On se casse. Wow. What? Attends. Wow. Attends, c'était là ça? C'était là les mannequins tout à l'heure? Merde, j'ai pas fait gaffe. Il y a des mannequins. C'est quoi ces conneries? Ouvre le rideau, t'es malade. Alors là, mais pour rien au monde. Hein. Pour rien au monde, j'ouvre le rideau. Hein. Bon, on a la clé du 1. Donc chaque porte avec écrit 1 dessus, on peut la déverrouiller. On la dérange dans son épilation. Quoi, vous auriez ouvert le rideau, mais vous êtes dingue. Oula. Ah, on a un triangle. Ah, putain! Ok, c'est le code. C'est le code, c'est le code. Donc le triangle, retenez bien. Le triangle, c'est un 1.
triangle égale 1. Donc en fait, le code, c'est sur les murs. Donc va falloir bien ouvrir ses yeux, les crozes. C'est quoi ces bruits de malheur, là? Ah, ça vient de la radio? C'est horrible. On a une porte ici avec un... Avec des rouages encore. On se casse de là. Oh! Non, 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 non. Non, non, ma lampe, ma lampe, ma lampe. Elle fait flipper. Elle fait flipper. Sérieux, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ce jeu me met très mal. Je vous le dis, hein. Je déconne pas. Y a pas de sur-jeu. Y a pas de comédie. Ça me met mal. 4. Ok, nous, il faut la porte 1. Il est horrible, ce jeu. Ah, putain, on en a deux, là. 7, ok, losange 7, rond 5. Donc losange 7, rond 5, triangle 1. Il nous en manque un, les crozes. Il nous manque le carré. Il nous manque le carré. Il est là, 3. On l'a tout, on a tout. Carré 3. Ok, donc ça fait quoi du coup? 7, rond 7, 5, 3, 1. Ok, c'est bon, nice, putain. On a réussi. The key for first gate. Quoi? Ah putain, ça y est! On a la clé du rez-de-chaussée. Ok, parfait. Parfait, on avance. On se casse. Faut qu'on descende. Ça me stresse qu'il n'y ait aucun bruit à part notre respiration. C'est ici. Let's go. On a ouvert la porte. Une cassette, je prends. A cassette with what the fuck written on it. Oh, intéressant. Cette maison est immense, hein. Locked. Il y a encore du sang. What? T'es qui, toi? Il a plus de pied? Attends, what? Il a plus de pied? Il a plus de pied? Monsieur? Vous avez plus de pied, monsieur? J'ai aucune envie qu'on m'arrache les pieds, hein, s'il vous plaît. Hein. Il y a une note. Putain, horrible. C'est vraiment étrange. Un par un, on dirait que tout le monde devient infecté avec une sorte de virus. Ils sont en train de changer. Ce n'est pas les mêmes personnes qu'il y avait hier. Ah, il y a une espèce de virus qui traîne du coup. Wow, holy shit! Mais what? Oh, la cassette!
Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'était marqué what the fuck dessus. Hein. Est-ce qu'on va voir un truc ou pas? À tous les coups, il y a un truc qui va apparaître. 21h37. Je vois rien, les crozes. Vous voyez un truc, vous? Je vois que dalle, hein. Oh putain. Oh, c'est horrible. Elle fait 3 mètres. Elle fait 3 mètres. Pourquoi elle caresse le mur comme ça? Elle est trop flippante. Je sais pas si c'est elle ou il en vrai, mais... Je suis pas bien. Je suis pas bien. Les crocs, je suis pas bien. Pile quand je me décide à aller me coucher, il y a des cadavres. Vive la maison d'architecte, c'est pas très solide du tout ça. Je regarde pas. Mais oui, ce que je me suis dit, Voka, c'est Dimitrescu dans RE8. Elle nous fixe de fou, c'est malaisant. C'est ça, madame, jambes bien épilées. Ouais, c'est elle, hein. On va devoir passer dans ce couloir, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Putain. Oula. Wow. Putain, ils ont une salle de ciné. Génial. C'est quoi ça? Ok, on a un bout de clé, je pense, j'imagine. On a les caméras ici. Oh, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est où ça? Putain, c'est le salon, mais c'est juste à côté de nous. Mais elle est juste là? Ok, on a un jardin aussi. Elle est là. Oh, attends. Ah non, là c'est le mort. Là c'est le mort. Elle est là. Elle est juste à côté en vrai. Salut Angélique. Angélique, le jeu est horrible. Clairement, je te le dis. T'as loupé des trucs, mais c'est vraiment horrible. Putain, c'est ouvert ici. Il y a quelqu'un là. Elle est là. Attends, I am going to grab you, Alpha. Quoi, je vais t'attraper par derrière et te dévisager. Je me retourne pas, hein. On est d'accord que je me retourne pas, là. Elle est là. Il y a quelqu'un derrière, c'est sûr. Non. A large square magnetic key. What door could this open? Ok. Si je me retourne, elle va être là, c'est sûr. C'est sûr. Non, putain. M'arracher le visage carrément. Putain, c'est ouf. Ok, on a ramassé des trucs, les crocs. Je sais pas à quoi ça sert encore. Mais on a ramassé... Attends, le corps a disparu, là? Attends. Il y avait un corps, là? Mais la planche était tombée avec le corps, c'est quoi ce délire? Et puis là. Le corps a disparu. The corpse left behind. Ça se dit? J'essaie de faire de l'humour, mais ça fonctionne pas vraiment, mais j'ai trop peur là. Quand j'ai peur, je dis de la merde. On va aller checker l'étage. Je pense que... Je suis pas sûr. Mais je... Ouais, c'est... Oh putain. Oh, il y a quelqu'un qui vient de passer entre les deux cartons. Je vous jure que j'ai vu un truc. Attends, je regarde sur le retour. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui est passé. Je viens de le revoir. Oh shit. Ok. La porte avec engrenage est ici.
C'est ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est bon. Une pince. On a chopé une pince. Par contre, je dois repasser dans cette pièce, ça me fait un peu chier. Alors, à quoi peut nous servir cette pince? Est-ce que vous avez une idée? Il me semble pas qu'on ait vu de chaîne ou un de trucs à péter. Eh, un truc qui est passé, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Une pince? Ah, pour péter le cadenas. Oh là 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 là! Le talent! Le talent! A large square magnetic key, what door could this open? Allez, bim! Nickel. En plus, je crois que j'avais vu une autre porte de... avec un cadenas rouge. Je crois qu'elle est à l'étage aussi, je suis plus sûr. Dans ma tête, il y avait une deuxième porte avec un cadenas. On fait gaffe ici, j'aime pas trop. C'était où? Hop, 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 hop. T'as te calmé, Michel, hein? T'as te calmé, Michel, je te le dis. Elle est où? Elle est où? Je vais... Oh, non. Ah, il est là! Ok, c'est bon. Par contre, attends, elle est derrière moi, là. Faut que je fasse gaffe, hein. Ah d'accord, ok, on aurait eu un message comme quoi c'était pas possible. Ok. Ok. Les creux, je sais pas où on s'embarque là. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Ça va toi? Cette maison est beaucoup trop grande. Wow. Oh! Oh! On a une infrarouge. Ok, c'est la merde. Oh là, on peut prendre des photos? Oh merde. Oh merde. Bah attends, il y a encore de la torture ici, c'est pas possible. On torture encore des gens? Oh, c'est stylé le petit effet appareil photo là, j'aime bien. Bon, je me casse là, non, j'ai plus rien à faire ici. Oh non, on m'a enfermé, c'est pas cool les gars. C'est pas cool, je peux pas sortir d'ici. Mais ouais, mais je peux pas ouvrir, meuf. Il y a quelqu'un derrière cette porte. Bah ouais, mais ouais, mais ouais, mais j'ai pas la clé. I have not the key. You understand me? Or you don't understand me? J'ai l'impression que le jeu vous plaît, les crosses, c'est cool. Mais par contre, attends, je comprends pas là. Les gars. On m'a vraiment enfermé dans cette pièce? Pourquoi? Je range pas, les gars. Je range pas, hein. Vous démerdez, hein. C'est vous qui avez foutu le bordel. C'est mort. C'est mort. Oh! Oh putain, elle est là, elle est là, elle est là. Je viens de la voir sortir. Ok, ça doit être ouvert du coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une clé? Deux. Oh, on a la clé 2. Oh, génial, on a la clé 2. Nous refusons de faire ce qu'on veut. On ne veut pas être ici. Aïe, 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 aïe. Ok, on a la clé 2. On se casse d'ici.
C'était la femme qu'il y avait à terre en arrivant. Elle vient de se faire traîner. Elle vient de se faire traîner. Elle va se faire bouffer. La 2, je crois qu'elle est à l'étage, hein. Si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper, hein. Mais c'est rare. C'est rare que je me trompe. Elle est là, la 2. Elle est là, regardez. 2. Let's go. Donc on fait gaffe, hein. Nouveau lieu. Putain, le nombre de cages. Il y a dû y avoir des trucs horribles ici. Ah, on peut la jouer. Eh, hey, est-ce qu'on la joue Vas-y. Je me lance un défi. Je n'allume plus la lampe torche. Je me mets dans le noir. Et j'active la vision nocturne. On joue comme ça? Je suis chaud, hein. Ah ok, non, pas de vision nocturne. Non. Je remets ma lampe. L'idée à la con. Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée de mettre la vision nocturne? Plus jamais je ne mets la vision nocturne dans un jeu d'horreur. À partir d'aujourd'hui, c'est mort. Plus jamais. Plus jamais. Le karma, il m'a rattrapé sale, hein. C'est la fin ? Oh putain, c'est pas fini. Est-ce que je pourrais avoir un petit résumé, s'il vous plaît, de ce qui vient d'y avoir écrit ? Je suis très intéressé par un petit résumé. Merci beaucoup cordialement, la direction. Oh là, elle m'a fait peur encore. Le film Rec, il est incroyable. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus. D'horreur, clairement. Il fait partie de mon top 3. Ça fait, je vous le dis honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas joué à un jeu d'horreur de ce calibre. Hein. Clairement, hein. Je vous le dis. Hein. Honnêtement. Bon, vas-y, on retente. On retente l'infrarouge. Moi, je suis joueur. Hein. Je suis joueur, les creuses. Allez. Ah, j'en ai plus. Ah merde, j'en ai plus. Bon, bah, trop tard. Voilà, on aura une... Oh putain, oh il y a quelqu'un en bas. Ok, je viens de voir une ombre là. Ouais, il y aura une rediff sur YouTube, hein, bien sûr. Ah ouais, ouais, là ça mérite une rediff, tu vois. Pour le coup, là ça mérite une rediff. Il y a un orage dehors. C'est pas vrai. Ils nous ont mis un orage. Ils nous ont mis un orage. Et il n'y a plus d'électricité. Ah, la batterie. En fait, c'est en haut à droite, c'est la night vision. 27%, je pense. Cassette. Oh, et cassette, c'était où? Les crosses, c'était où le magnétoscope? Il était où? Oh! Ah non, là, j'y viens. Attends, il doit être ici, le magnétoscope. Il est là. Il est là! Ok, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Attends, il a ses pieds, là. Il est pas mort? Attends. Il est debout, là. Oh non, me dis pas que... Oh putain, lui aussi s'est réveillé. Lui aussi s'est... Attends, quoi? Ah non, il se remet... Qu'est-ce qu'il... Ah non, il s'est retué. Ok. Ok, mec. Ok. Cool. J'apprécie le geste. Il est là. Ok.
y a une pièce allumée à l'étage alors qu'il y a une coupure de courant actuellement. Non, tout est éteint, regarde. On voit rien. Non, non, tout est éteint. Va dans la cuisine au coffre. Dans la cuisine au coffre. Mais il est fermé, le coffre. Diable. Regarde. My bad. My bad, mea culpa. Mea culpa, je n'ai rien dit. Le coffre est ouvert. Et nous avons un pied de biche et la clé numéro 3. Alright. Alors par contre, le gros souci, c'est que je n'ai pas vu de... J'ai pas vu de porte 3, il me semble. J'ai pas vu de porte 3. Vous en avez vu une, vous ? Porte 3. Ah, c'était grâce à la clé magnétique que j'ai pu ouvrir le coffre. D'accord, ok. Putain, vous connaissez mieux le jeu que moi, quoi. Incroyable. Alors, est-ce qu'il y avait une porte 3 ici ? Là, on peut pas ouvrir. Oh ! Mais non ! Mais non. Ah mais oui, avec la crowbar, je suis trop con. Mais oui, avec la, le pied de biche, on a pu ouvrir la porte. Putain, on se retrouve dehors. Excellent. Oh. C'est quoi ça? Il y a un pendu. Une, un, je sais pas. Coucou. La liberté. Attends, on n'est pas encore libre, les crows, on n'est pas encore libre. On n'est pas encore libre. Ah, 3, c'est bon. C'est ici. On est bon. Il y a combien de maisons ? Mais attends, mais c'est immense. Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer là-dedans ? Oh, c'est quoi ça ? J'ai vu quelqu'un grimper au mur là, non ? C'est quoi cet endroit là ? Quoi cet endroit de la mort? Non, Voka est sorti. Ah! J'allais dire Voka, Poppy, je pense qu'il sort pas demain. Demain, on a le trailer. On a le trailer du jeu, mais je pense qu'il sort pas demain. Poppy chapitre 2. Mais si ça sort demain, je stream direct. Oui. Oui, absolument. On se barre à la nage, tant pis pour le bateau, mais je préfère me barrer de l'île. On quitte un enfer pour en trouver un pire, mais totalement. Jamais je rentre dans une maison comme ça la nuit, perso. Moi non plus. Personne, je crois. Ok. Le temps est venu, j'ai mixé les 4 ingrédients ensemble. Oh, il y a un cimetière. Quelque chose nous hante, quelque chose de paranormal. Ça nous possède un par un. C'est vraiment rec en fait, c'est vraiment rec. Attends, il y a un virus, ça possède les gens, c'est rec, hein, les gars. Oh là là, non mais elle, c'est même plus possédée qu'elle est. C'est le level au-dessus de la possession là. Je suis enfermé.
quoi ces booms là? C'est occupé. Non mais attends, c'est quoi ces booms là? Sortez-moi de là les gars. Y'a plus de poignée. Y'a plus de poignée, putain. Oh. C'est ouvert. Des monstres sont enfermés dans les cages. C'est horrible, hein. C'est assez glauque hein, en vrai. Oh là, ils nous font un Silent Hill. Oh, ils nous font un Silent Hill. Oh là, il y a un truc qui va apparaître à la porte, c'est sûr. Alors là, hé. S'il n'y a pas un truc qui apparaît à la porte et qui ferme la porte, je comprends pas. Hein. Regarde, t'as l'évier, t'as le cri de bébé et t'as la porte entrouverte. C'est Silent Hill. Oh la ref, je peux pas ouvrir la porte. Y'a pas un truc qui va apparaître? Putain, non, ils auraient dû. Bah non, y'a pas d'apparition, putain. Ah, attends. Ah putain, la porte s'est ouverte. Bande d'enfoirés. Oh, notre pote. Décroché. Ah, notre pote est vivant. On a un contact. On a un contact. Faut qu'on sorte d'ici. Ok, on se casse. Je cours. Mais non, je suis encore enfermé, bordel de merde. Au secours. Holy shit, are you okay? A girl named Mika took the boat from you. She said she had to get the hell out of there. It's okay though, I'm almost there. I think I should be at the docks in a couple of minutes, okay? Oh, nice. I'm so happy I finally reached you. Ok, notre pote vient nous sauver. Putain, il est bon lui. Il vient nous sauver, il arrive. Il arrive à la rescousse. Il a dit, je suis là dans quelques minutes. On a ramassé quoi là? On a ramassé un EMF Reader, what the fucker. Ok, comment j'utilise? Je sais pas. On se casse. Oh putain! Pourquoi je me suis retourné? Je me suis retourné comme un con. Je suis en train de jouer à LOL en même temps, ton cri m'a fait trop peur. Ah putain, genre ça part dans les rituels maintenant. Le temps est venu, j'ai mélangé. Elle est magicienne, trop bien foutu ce jeu. Je sais pas qu'il y avait un niveau au-dessus de possession. Il donne des coups de marteau dans le grenier ou ça se passe comment? Elle est au plafond. Non pas les bébés. Baba Yaga. C'est parti pour des choses sataniques. Aurore ASMR. Si tu veux, mon avis, il pue notre pote. Ah, c'est peut-être un traître. Hein. Peut-être que c'est lui qui s'est barré avec le bateau. Hein. Je sais pas. Hein. Se cacher et de voir le mec ou la créature passer devant le fixer. Imagine ton pote te laisse sur cette île en même temps, ce serait un bâtard. Je me suis ébouillanté. Je joue à très peu de jeux où je dois me cacher. Toshi, je veux te tuer. Ah, c'est sympa ça. Les abonnés veulent me tuer maintenant. C'est nouveau. Il y avait quoi ici? Il y a rien. On se casse. Ok, on peut sortir, c'est bon. C'est bon, t'arrêtes de me casser les couilles. Allez, on continue. Allez, on se casse. On va rejoindre notre pote au bateau.
putain, les crosses de la liberté. Quoi ? Non, tu déconnes là. L'enfoiré? J'y retourne pas, hein. Non, non, j'y retourne pas, les gars. Oh non, j'y retourne pas, les crozes. Putain. En gros, le mec nous a dit, j'ai pas trop compris, enfin, j'ai pas tout lu, mais j'ai compris le goodbye et no one coming. En gros, personne ne vient, adieu. Bon bah vous aviez raison, ce gars était très louche au final. Ah j'ai pas envie d'y retourner les crozes, hein, vraiment. Hein. Vraiment, j'ai pas envie de retourner dans cette maison. Elle est où la chambre principale? Là, là. Ok. Ça doit être là du coup. EMF. Oh putain. Je prends les photos. Prends le flingue! Non! Le flingue! Je veux m'équiper! Mais comment je m'équipe? Je m'équipe du flingue, putain! Oh là là! C'est elle! Tree. The Tree of Us for Life. Ah, faut que je m'assoie? Oh putain, l'enfer! Avec mes filles, je me suis tiré une balle. Il y a 4 fins au jeu. Ah, donc en fait, en gros, je me suis fait posséder et je me suis tiré une balle, c'est ça? Peu importe combien de fois j'ai résisté, le flingue a été vers ma tête et a tiré. Ok. End. Il y a 4 fins. Ending unlocked 1 sur 4. Minute playette 80,89. Photo taken, bah j'en ai pris 0, mais je savais pas ce qu'il fallait prendre en photo. Cassette 2 sur 3, on n'aura pas eu la troisième. Note 10 sur 12, Easter Egg 0 sur 1. Presse 1, tout retourne tout menu. Ok. Eh bien nous avons fini. We Seen Scary. Fait par Stanislaw. Ouais, bah j'ai adoré. Putain, le mec, il a utilisé Paint. J'en viens pas. Paint.net, trop fort. J'ai adoré ce jeu. Mais il est trop bien, les crosses. Vraiment, vous en avez pensé quoi de ce jeu, vous? Tu sais, le thank you, tout va, hein? Trop bien. Du plus profond de mon cœur, je veux remercier... Enfin, te remercier d'avoir joué à We Seen Scary. Ça a été absolument un plaisir et un privilège de faire ce jeu. Le jeu a été publié le 8 février 2022, donc en fait, il est ultra récent. Le jeu, il a une semaine et demie. Et c'est pour ça, du coup, que je l'avais vu nulle part. C'est un jeu qui vient de sortir. Je me dis, j'ai vu ce jeu nulle part sur YouTube encore. Bah écoutez, bah, vous pourrez le voir, du coup, je pense que Seros va le faire, et tous ces YouTubeurs horreur. Je pense qu'ils vont tous s'y mettre. En tout cas, les crozes... C'était un régal. J'ai eu peur. Hein. Là, vous m'avez vu. Vous m'avez vu. Hein. J'ai eu peur. Hein. Vous aussi. On a tous eu peur hein, ce soir. J'ai eu ma dose d'horreur pour ce soir. Merci Toshi. Ah, moi aussi. Hein. Merci pour le stream Toshi. C'était bien sympa. Super jeu en tout cas. Merci pour le live. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit les crozes.
Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, faites de beaux rêves, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. C'était Toshi et à demain, 21h. Ciao les crozes, merci à tous, merci. À demain. Ciao.